C'est une victoire à l'arraché pour Brian Amin. Mais au départ, sur les 120 rameurs, ils sont plusieurs à se démarquer. Rapidement, trois va'a sortent du lot, ceux de Brian Amin, Keahi Aniri et Anouari Maker. Les rameurs sont à l'aise dans le petit surf jusqu'à la passe de Taoni. À la remontée dans le lagon, en tête de course, chaque rameur tente de se préserver plus que l'autre. Keahi Aniri, lui, à 30 mètres de retard sur les deux premiers. Mais à quelques minutes de l'arrivée, il rejoint Brian Amin en pole position. À deux, il réalise le sprint final. Mais finalement, c'est Brian qui l'emporte. Il prend sa revanche sur sa deuxième place de l'an dernier. Je commençais à entendre tous les bateaux autour crier. Hein. Et du coup, j'ai regardé un coin derrière. Et j'ai vu qu'il n'était pas loin, quoi, mais je me suis dit, faut pas lâcher aussi. Hein, parce que l'année dernière, je me suis fait passer aussi avec la fin, là, pas Ternavé. Hein. Keahi Aniri est deuxième, il avait pourtant bien géré sa compétition. Au moment où les deux premiers ont tourné la bouée est repartie vers la Ortiniho. Donc on a j'étais comme ça là. La bouée a fait ça et j'ai dû refaire un grand détour. Donc j'ai perdu encore du temps sur les deux premiers. J'ai serré les dents et j'ai donné tout ce que je pouvais jusqu'au tambour du roi pour refaire mon écart. Anouari Maker, lui, se contente de la troisième place. Il arrive 40 secondes plus tard pour un temps de 1h, 12 minutes et 48 secondes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.